Et vous avez un invité surprise. Oui, oui, salut Roxana, c'est Bernard Laporte, ex-ministre des Sports, toujours au-dessous de la mêlée. Bon, bravo, t'as assuré la continuité entre ton palmarès sportif et ton parcours en politique, vu que t'es devenu champion du monde en nageant sur le dos, et aujourd'hui t'es ministre d'Edouard Philippe, qui lui est champion à plat ventre. Et alors voici ma question, si Macron avait été sportif professionnel, d'après toi, il aurait pu devenir champion de natation pour avancer dans les eaux troubles de l'affaire Benalla, ou champion de saut d'obstacle pour passer au-dessus de la crise des Gilets jaunes? Comment ça? Bah, pour l'instant, il est boxeur et je trouve qu'il est très courageux dans ce paysage social et politique du moment. Il met au tapis l'adversaire, alors en gros, c'est ça. Il met au tapis l'adversaire. Bah, il donne tout ce qu'il a, en tout cas. Ouais. C'est un bon compétiteur. Vas-y, Adrien, j'ai pas mal. Merci, Roxana Maraciné, à nous, ministre des Sports, qui était l'invité ce matin. Merci de à Sud vous. Radio. Et puis, bien sûr, vous retrouvez Dany Moreau à 8h20 sur Sud Radio, en direct et en Facebook Live, 7h57. Bon réveil, c'est Sud Radio.